André Boudou était parvenu à conserver le silence depuis le mois de décembre dernier et la mort de Johnny Hallyday. Après de longs mois d'affrontements entre sa fille, Laetitia, et les deux aînés du rocker, Laura et David, l'homme d'affaires de 67 ans brise le silence et prend cette semaine la parole dans une longue interview publiée par le journal Le Parisien. Il y aborde sa relation avec son beau-fils, les rumeurs d'altercation avec David Hallyday et même son parcours dans le monde des affaires. Au cours de l'entretien, André Boudou touche également à la question du testament laissé derrière lui par Johnny Hallyday. Un texte paraphé en Californie et selon lequel Laetitia hérite seule de la fortune de son époux, le tout sous la forme d'un trust, tandis que Laura et David se retrouvent sans un centime ni même le moindre droit de regard sur l'œuvre de leur père. « Je ne m'en mêle pas », prévient d'emblée André Boudou. Des rumeurs insistantes veulent pourtant que le père de Laetitia se soit querellé assez fortement à ce sujet avec David Hallyday, à Saint-Barth, le jour des obsèques de Johnny. L'intéressé nie complètement les faits. Quant au montage financier de l'héritage, le trust s'est fait dans les quatre dernières années et je n'étais plus là, tient-il à rappeler. Selon lui, les difficultés qui entourent aujourd'hui la succession du rocker sont de l'unique faute de Johnny Hallyday, pas de sa femme, ni de ses proches et encore moins de ses enfants. Johnny aurait pu être plus courageux, il aurait pu faire une vidéo pour expliquer sa décision à ses enfants, estime André Boudou. Cela aurait évité tout cela à Laetitia. Mais c'était sa décision. Désormais, le patriarche relativise et assure pouvoir comprendre la frustration de Laura et David. Il regrette cependant aussitôt que les aînés du rocker attaquent tout le monde comme cela. En conclusion, le père de Laetitia croise les doigts et souhaite voir s'opérer une détente dans les relations entre les deux clans de la famille. J'espère qu'ils arriveront à se parler, conclut-il. Crédit photo, de Russe Axel Abaka.